Alors du coup, quand on construit un char, on commence par faire un plan où on donne des formes. Là, sur celui-là en particulier, on a fait toute une tête en polystyrène qui est en haut. Après, on a fait du journal dessus. C'est la même technique que le papier craft. Et après, on l'a posé en papier craft. Et derrière, du coup, pour donner les formes qu'on a fait derrière, on a fait tout en structure métallique, en vergette. Où là, où c'est différent, il faut fonctionner avec des... on met du grillage par-dessus. Après, on fait ça avec des étiquettes. Et après, on met du journal et du papier craft dessus, pareil. Et après, on met tout en peinture pour donner toute la forme et donner tout le final de la structure. Forcément, nous, on a notre tailleur de polystyrène, c'est celui qui fait les plans. Donc, du coup, c'est lui qui donne un peu vie au personnage. Donc, en les créant de lui-même, c'est lui qui les a créés lui-même. Après, chaque personnage a sa petite touche, ils sont jamais identiques. Mais en soi, nous, c'est avec le thème et c'est avec la touche du tailleur qui fait... Chaque personnage a son histoire. Oui, plus ou moins, parce que c'est notre tailleur qui donne l'histoire. Mais sinon, après, pas plus que ça. Ça va vraiment avec le thème, de chaque thème à chaque fois, à chaque année. Cette année, c'est un peu ce qui est autour du génie, du fakir, un peu le thème indien, Bollywood, pas forcément, mais ça tourne un peu autour de ça, quoi. Je pars d'un plan de profil d'une des têtes. Je dessine par rapport à mon plan les morceaux qu'il me faut de profil. Je les colle ensuite les unes sur les autres. Ensuite, je commence à faire tracer mes traits et à faire mes formes. À sculpter. Alors je voyais que tu avais des barres de fer. Et ça te permet de faire quoi ces barres, de t'aider Non, ça c'est pour c'est quand j'ai deux morceaux, c'est pour pas que ça bouge, pour que ça reste en place une fois collé. Voilà. D'accord. Et donc on voit qu'il y a plusieurs instruments sur la table. Et tu sculptes. Quand tu sculptes, tu te dis bon bah là il faut que j'enlève un petit morceau. Comment ça se passe? Est-ce que tu... Bon, après, c'est plus ce niveau esthétique, on arrive à voir à peu près ce qu'il faut enlever. Par rapport au dessin. Voilà. D'accord. Donc tu te fais vraiment au dessin, tu vas aller faire 2-3 trucs en plus. Parce qu'en plus, après, je suppose qu'il faut que ce soit adapté par rapport au char. Voilà. Donc du coup, c'est toute une gymnastique pour essayer de faire en sorte que... Voilà, c'est ça. D'accord.